Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau café virtuel. Et aujourd'hui, j'ai le grand, grand plaisir d'être avec Ilan de Lettering Créatif. Bonjour Ilan, comment vas-tu? Bonjour David, merci pour ton invitation, je vais très bien. Avec grand plaisir. On va se retrouver aujourd'hui pour parler justement de comment développer son activité professionnelle quand on se considère plus comme artiste que comme businessman ou businesswoman. Je te propose qu'on se retrouve juste après le générique pour parler de cette belle thématique. Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Donc je suis avec Ilan aujourd'hui. Je suis vraiment content de te retrouver. Comment vas-tu, Ilan? Bah écoute, super, tout va très bien, Tout va merci. très bien. Est-ce J'espère que toi aussi. yes, ça va super bien. Est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te découvrent aujourd'hui au travers de ce live? Oui, bien sûr. Donc moi c'est Ilan, comme David a dit, je suis auteur du blog Lettering Créatif. Donc le lettering, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'art de dessiner les lettres. C'est une forme de calligraphie moderne, je dis souvent pour simplifier, voilà. Et justement, ce métier, tu le fais depuis maintenant combien de temps pour qu'on puisse un peu estimer? Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier justement? Oui, alors en réalité, c'est assez récent. J'ai lancé le blog Lettering Créatif il y a exactement 2 ans et après, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur. C'était en janvier 2019, donc ça fait 1 an et demi, quelque chose comme ça. Yes. Et alors pourquoi je me suis lancée? C'est vraiment une très bonne question parce que j'avoue que je me la pose aussi de temps en temps. Ce qui s'est passé, pour faire rapidement un petit historique, c'est que moi, je ne suis pas du tout de l'univers entrepreneur. Enfin, j'en ai pas trop dans ma famille, en tout cas ma famille proche. Et j'ai été salariée pendant des années, peut-être plus de 15 ans, bon, bref, en tant que chef de projet informatique, donc pas du tout dans le domaine artistique. Et pour moi, cette partie artistique, c'était plutôt de l'ordre du loisir, du hobby, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses en réalité, de la musique, de la photographie. Et le lettering, c'est venu beaucoup plus tard. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que moi, quand je me suis lancée, en fait, c'était, j'approchais de la quarantaine. Donc, voilà, on peut dire la crise de la quarantaine. J'avais une fille en bas âge, donc aussi la crise de la maternité. Voilà, donc les deux ensemble, je ne me raconte pas le gros chamboulement. Et donc j'ai tout simplement posé un congé sabbatique. J'ai posé ce congé sabbatique, pas du tout en sachant ce que j'allais vraiment faire, même si j'avais annoncé que je voulais que je partais pour être photographe. En fait, la photographie, j'en faisais depuis des années, depuis plus de 10 ans, j'avais fait des expos et tout. Donc, quelque part, c'était le truc naturel. Donc, voilà, c'était en gros soit la photo, soit la musique. Eh bien, pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que juste vraiment, genre quelques semaines après m'être lancée en tant que photographe, donc je réfléchissais, voilà, comment gagner ma vie en tant que photographe, si j'allais faire plutôt du mariage, de l'institutionnel, du pur artistique, c'est-à-dire des projets personnels. Et en fait, en faisant un peu d'institutionnel, justement, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout ça, que c'était pas une bonne idée, en fait, de transformer sa passion en business. Enfin, en tout cas, cette passion-là, ça ne marchait pas. Je m'en suis vite rendu compte, en réalité. Et je suis tombée sur le monde du blogging, je voyais des gens vivre de leur blog, etc. Et j'avais pas encore d'idée de thème, hein. Je m'étais dit, bah, pourquoi pas la photo, mais en même temps, blog photo, il y en avait beaucoup déjà. Et j'avais fait donc la liste de toutes mes passions, puisque passion artistique, j'en ai vraiment beaucoup, ça aurait pu être la couture, la danse, le théâtre, enfin, voilà, plein de choses. Et en fait, le lettering, je m'étais mise il n'y a pas si longtemps avec le bullet journal. Le bullet journal, c'est un agenda, on va dire, d'organisation personnelle, parce que malgré tout, la partie organisation, c'était un sujet déjà qui m'intéressait beaucoup. Et le bullet journal, bah, j'aimais bien voilà, tenir cet agenda et je voulais que ce soit joli. Enfin, je dessine aussi un petit peu. Donc j'avais commencé à faire des jolis titres, voilà, des trucs un peu jolis. Je m'intéressais au lettering et je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas un blog sur lettering. Ça, je partais, je ne vais pas dire de zéro parce que voilà, je dessinais un peu, voilà, j'aimais bien. Mais ce n'était pas le truc le plus intuitif, on ne se serait pas dit. Enfin, je pense que ma famille devait être assez étonnée aussi. Donc j'ai lancé ce blog. Voilà, j'avais quitté mon job un peu avant l'été. J'ai lancé le blog en septembre. J'avais eu tout l'été pour réfléchir, choisir ce thème. Mais déjà, c'était pas un blog lifestyle ou quoi. Enfin, j'avais vraiment l'idée en tête, ce sera un business derrière. Et j'avais déjà en tête des formations en ligne. Parce Ok. que
Comme je te disais, j'avais lu pas mal de choses sur ça, vendre des formations en ligne, etc. Et ça m'avait intéressé. Ça va être titillé, quoi. On va Voilà, c'est reparler ça. de Donc, toute façon par rapport à cet de aspect cette partie-là. business. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est que du coup, en fait, on remarque que tu es une artiste pluridisciplinaire. En tout cas, c'est comme ça que tu te présentes aussi. Voilà, tu fais de la musique, tu fais de la photographie, tu fais du lettering. Et justement, est-ce que ça a été un frein pendant tout un moment, cette multipotentialité, si je puis dire ça comme ça, dans le développement d'une activité business, justement? Alors déjà, il y a la question du choix. Hein. Donc, comme j'ai dit, choisir le thème du blog, choisir le thème de l'activité. Souvent, je sais que des gens comme moi, voilà, choisir, c'est renoncer. On a l'impression de se fermer d'autres portes. Il y a aussi le risque de se dire, en fait, est-ce que c'était la bonne décision ou pas? Il faut pas, je pense, vivre sur des regrets. Il faut pas se dire, ah ben non, en fait, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Et puis, en réalité, je vois pas mal de. Maintenant, j'ai beaucoup d'amis blogueurs, du coup. Qui ont arrêté leur blog au bout d'un an et qui sont repartis sur un autre blog, sur un autre thème. Donc voilà, dans tous les cas, on apprend et peut-être que dans 2 ans, je serai plus sur le lettering. C'est pas un truc qui me fait peur. Donc je pense que c'est ce que j'ai appris aussi par ce premier début de chemin entrepreneurial, de pas craindre le changement, de pas craindre l'échec, de pas craindre de rebondir. Donc ça, de ce point de vue-là, en termes mindset, on va dire, c'est un truc sur lequel j'ai pas mal travaillé. Ouais. Et Yes. c'est vraiment, comme je dis, c'est tout nouveau pour moi parce que j'étais vraiment la salariée, entre guillemets, modèle. Je pense que ce qui me différencie d'autres entrepreneurs que je côtoie, c'est que j'avais pas ce truc-là de la passion de la liberté ou de problème avec la hiérarchie. Moi, j'ai pas du tout eu ça. Je suis encore en contact avec tous mes anciens managers, je discute de mes projets avec eux, etc. Donc, c'était pas ça mon moteur. Mon moteur, comme je l'ai dit, c'est plus la crise de la quarantaine et la maternité, c'est-à-dire, effectivement, quand même mieux gérer. Mon temps et puis trouver du sens dans mon travail. Donc les deux choses, voilà, la quête de sens et la gestion du temps, en particulier le temps familial. Yes, ok, cool. Et donc ça, cette décision, tu l'as prise il y a 2 ans ou tu l'avais déjà prise Oui. avant et tu as mis des choses en place et c'est il y a seulement 2 ans que tu t'es lancé? Non, c'était vraiment il y a 2 ans. Disons en 2017, j'ai fait un bilan de compétences. Du coup, j'ai un peu réfléchi. C'était pas qu'un bilan de compétences sur vraiment les compétences, mais aussi sur la vie, en fait, hein, faire un point sur sa vie, sur le sens qu'on donne à son travail, etc. Et par contre, l'idée de poser un congé sabbatique, ça me trottait dans la tête depuis plus longtemps que ça, mais à l'époque, c'était pas pour monter un business, c'était pour faire un tour du monde. Et puis finalement, avec la vie familiale, etc., j'ai un peu mis entre parenthèses le projet de tour du monde, donc maintenant, j'aimerais le faire en famille, du coup. À vrai dire, c'est vrai, quand je repense au passé, j'ai vraiment du mal à voir ce déclic du côté entrepreneurial parce que j'étais vraiment quelqu'un plutôt qui cherchait la sécurité. J'étais dans une grosse boîte avant, donc j'avais beaucoup, beaucoup de congés payés de RTT, enfin plus, je pense, que la moyenne des gens. Et je partais beaucoup en voyage. Et du coup, ouais, c'est assez curieux. Je pense que c'est en faisant vraiment ce bilan de compétences et en cherchant, en me rendant compte que je trouvais pas trop de sens dans mon travail, que j'étais pas en quelque sorte fière en fait de ce parcours-là, même si voilà, j'avais monté les échelons, je gérais des équipes, tout ça. Bon, ça c'était plutôt sympa, j'aimais bien ce côté-là. J'ai toujours eu des managers qui me laissaient beaucoup de liberté, mais c'était pas mon business, c'était pas, j'avais pas choisi, je choisissais pas les stratégies, je choisissais pas l'activité. Les décisions, je les subissais d'en haut, etc. Yes, ok. Et du coup, tu as pris cette décision, tu t'es quasi lancé directement, alors du coup, c'est... Oui, c'est ça. Alors, voilà, le fait de prendre un congé sabbatique, ça permet quand même de sécuriser quelque part ses arrières. Donc, je savais très bien que si au bout d'un certain temps, ça ne marchait pas, je pouvais revenir dans mon ancienne boîte et ça ne me posait aucun souci, puisque comme je disais, je m'entendais bien avec mes patrons, etc. Il faut savoir aussi que j'étais dans vraiment une grosse boîte qui permet de prolonger en fait le congé sabbatique. C'est-à-dire Ok. qu'aujourd'hui, je suis en congé pour création d'entreprise, toujours, c'est-à-dire que je peux toujours revenir dans ma boîte. On a comme ça des possibilités de retour arrière. Et c'est vrai que mon côté sécurisation, du coup, est rassuré, on va dire ça comme ça. Et effectivement, je me suis lancée assez vite puisque je lançais mon blog, c'était donc septembre 2018, hein, donc il y a 2 ans. Je lançais des premiers ateliers de lettering pour tester. Donc au début, c'était bénévole. C'est-à-dire que j'ai trouvé des associations. Là, c'était vraiment du pur réseau. C'est-à-dire que je suis tombée par hasard, voilà, sur des opportunités de faire des ateliers.
Donc j'ai eu des premiers élèves, j'ai vu que ça marchait, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, j'ai vu que j'aimais enseigner, parce que ça, c'était pas non plus. Je ne sais pas si dans ta communauté, il y a beaucoup de gens qui enseignent. Enfin, je sais qu'il y a des coachs et tout ça, donc il y a le côté un peu humain et Oui, bien voilà, sûr. contact humain. Mais c'est vrai que quand tu sors de chef de projet informatique, ce n'est pas du tout dit que tu vas aimer enseigner, quoi, tu vois. Oui, Donc c'est vrai, tout à je me fait. suis rendu Oui. compte que j'aimais ça, que j'avais quand même aussi la fibre un peu pédagogique. C'est vrai que dans mon ancien job, je formais aussi quand même les gens à certaines méthodologies informatiques, donc ça ne me faisait pas peur, en tout cas, cette partie-là. Et dans mon parcours, oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai fait une école de commerce. Donc, Ah je ouais. ne vais pas dire. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, en fait, l'école de commerce, ça n'apprend rien, le business, c'est sur le terrain, etc. Et c'est vrai, je suis assez d'accord. En école de commerce, c'est hyper théorique. Tu apprends la compta, même la compta des sociétés, des trucs, genre, OK, un peu de marketing, mais souvent du marketing un peu has-been parce qu'ils ont des trains de retard, hein, je veux dire. Donc, je ne peux pas dire que ce soit ça qui m'est porté sur le chemin entrepreneurial, mais par contre, ça donne quand même une méthodologie, le fait d'avoir fait une prépa, etc. Ça donne, on va dire, une force de travail, je dirais, une capacité de C'est ça. travail et une organisation. C'est pas Ça, inutile. j'ai toujours été l'artiste organisé, quoi. C'est un peu le truc bizarre, un peu ambivalent, mais voilà, ça fait partie de mon caractère et je pense que c'est un truc que j'assume, c'est-à-dire ce côté créatif, et puis j'ai quand même un côté très beau parcours scolaire, beau parcours en entreprise, etc. Donc il y a comme quoi, voilà, tout n'est pas forcément tout noir et tout blanc. Yes. Et voilà, il peut y avoir des artistes avec un peu les pieds sur terre. Bah écoute, il y a autant de profils que de personnes sur Terre. Et justement, enfin, tu parlais de la notion de tes études. En fait, l'aspect théorique, c'est comme lire un livre en soi. Ça ne, ça, voilà, il vaut mieux aller sur le terrain. Mais lire un livre permet aussi d'avoir de la théorie qu'on peut Oui, utiliser sur le apporte des terrain. Voilà, connaissances quand même. exactement. Et donc, c'est même chose pour l'école de commerce. Ça n'a pas été inutile en soi. Maintenant, c'est clair que tu apprends différemment sur le terrain, et tu es confronté aux vrais obstacles, en fait, plutôt que là dans la théorie. C'est s'il arrive ça, qu'est-ce que vous faites? En gros, oui, mais bon, t'es pas dans l'émotion, t'es pas dans. Ben voilà, il y a tout un tas de choses qui interviennent dans la réalité et dans la mise en pratique. Alors, petit aparté, est-ce que justement le fait d'être. D'être entre guillemets sereine par rapport à l'éventuel retour à ton travail, l'éventuel aussi aspect financier qui est peut-être facilité. Est-ce que tu trouves que c'est plus facile d'entreprendre dans cette situation-là, ou est-ce que justement ça t'invite à être plus relax, moins stressé? Enfin, quel est l'impact d'après toi? Ouais, Parce que ouais, ouais, ouais. je pense Alors que c'est une ça question. c'est une bonne question et je pense que à moi la première question que les gens me posent quand je dis que je suis en congé sabbatique, ce qu'il faut savoir c'est que le congé sabbatique c'est une suspension du contrat de travail et du coup tu n'as plus droit donc ni à la mutuelle ni Ok. tu n'as plus de salaire, rien du tout. Donc l'aspect financier est quand même très présent, Contraignant, ok. c'est-à-dire tu es rassuré sur l'éventuel retour mais en quelque sorte tu n'espères pas ce retour et par contre tu n'as pas droit au chômage ou quoi donc. D'accord, ok. Je sais qu'en France, la plupart des entrepreneurs qui se lancent et qui quittent leur boîte font plutôt la rupture conventionnelle qui permet de toucher le chômage pendant environ 1 an et demi, 2 ans. Ok. Et voilà, moi, je n'avais pas du tout cette sécurité et je partais plutôt sur mes économies. D'accord. Après, j'ai eu la chance aussi de pouvoir présenter un dossier à ma boîte. Il existe une aide, une sorte de fonds pour les gens qui veulent entreprendre parce qu'ils favorisent l'entrepreneuriat. Et du coup, je suis partie voilà, avec une petite somme, mais qui n'était pas du tout 1 ou 2 ans de salaire. Oui, c'est ça. Donc, ça permettait quand même de voir venir et en même temps, ça m'obligeait à démarrer assez rapidement. Donc, comme je disais, j'ai eu, ouais, finalement, j'ai eu 6 mois où voilà, j'avais mon blog, je faisais des ateliers bénévoles. Et puis en janvier 2019, je lance ma boîte et je commence à facturer, à avoir des clients, etc. Mais à cette époque-là, pas encore de formation en ligne. Ok, Vraiment très des bien. ateliers présentiels et je démarchais aussi les entreprises. Je me disais, oui, parce que un truc qui me tient encore à cœur et que j'arrive pas encore trop à développer, je voulais apporter l'art dans les entreprises. Parce que moi, je connais le milieu des entreprises, je sais que ça manque de créativité, je sais que les gens, je vais pas dire, sont un peu tristes en entreprise, mais en tout cas, moi, dans celles que j'ai dans lesquelles je suis passée, beaucoup de gens voilà, aimaient bien leur job, mais sans plus, hein, on va dire. Et puis, ça manquait de concret, ça manquait le côté artistique, en fait, il y a un côté très. Aussi artisan, C'est on ça. va toucher des choses, on va créer, on va voir un objet qu'on a créé. Et ce qui, en particulier dans le monde de l'informatique où j'étais, on crée du code ou des projets, des logiciels.
on manque de ce côté voilà, tactile et concret des projets. Donc, je Ouais. voulais faire des ateliers en entreprise, vraiment, soit par les comités d'entreprise, soit par tout ce qui est un peu RH, comme bien-être au travail, je pensais, ou team building aussi. Yes. Voilà, donc j'ai passé quand même une bonne partie de 2019 à essayer de formaliser une offre en ce sens, voilà, qui est encore en cours de réflexion. Mais c'est vrai qu'après 2020, avec le Covid et tout, c'est plus Ouais, la partie ça. en ligne que j'ai développée. Yes. Les team building, c'est compliqué. Ben, on y reviendra sur cette partie, peut-être effectivement Oui. formation en ligne. Ce qui me semble intéressant comme thème aussi, c'est donc on revient sur la multipotentialité, le fait de faire plusieurs choses à la fois, en tout cas d'aimer faire plusieurs choses à la fois. Quels sont, on va dire, les trois grands critères, si tu en as plus ou si tu en as moins, peu importe, mais je pense que trois c'est bien, qui font que tu as choisi le lettering et pas autre chose? Ah. Wow. C'est pas une Alors, question piège, hein. Prends le temps de non, non, mais du réfléchir. coup, ouais, je réfléchis. Bon, il y a un truc qui m'est venu tout de suite là, c'est l'histoire de niche. C'est-à-dire que, comme j'avais dit au début, la photographie, y en a quand même beaucoup déjà sur Internet. La musique, je ne me sentais pas trop légitime. Je reparlais après la légitimité. Mais la musique, voilà, moi j'étais chanteuse, hein, un peu, voilà, je touche un peu la guitare, le piano, mais sans plus. J'étais essentiellement chanteuse. J'avais eu pas mal de groupes, voilà, on faisait des petits concerts. Mais je voyais pas trop, en fait, ce que je me sentais. Je voyais pas trop est-ce que j'allais pouvoir apporter en musique, n'étant pas prof de musique ou n'ayant pas de formation de musique. D'ailleurs, je tiens à préciser, oui, sur toute la partie artistique, je suis autodidacte. Que ce soit la photo, donc j'ai appris seule, pas d'école de photo. La musique, si j'ai fait des stages, des petites formations, voilà, de jazz, mais j'ai beaucoup appris seule. Et le lettering, pareil. Alors du coup, pourquoi le lettering? Parce que je ne suis pas plus légitime en lettering. Alors, je n'ai pas de formation en calligraphie, en typographie, hein, qui sont des domaines un peu autour des lettres. Mais ce n'est pas comme ça que j'ai abordé mon blog. J'ai vraiment tout de suite dit, voilà, quand j'ai commencé mon blog, voilà, que je débutais, que j'avais envie de partager cette passion. Et puis, par contre, c'était vraiment une niche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, déjà, rien que si je dis lettering, les gens ne connaissent pas forcément. J'avais envie d'apporter quelque chose d'un peu nouveau. J'avais un peu regardé aussi la concurrence. Donc, en lettering, voilà, il n'y avait pas grand monde. Hein, je peux dire, d'ailleurs, si vous voulez vous lancer, allez-y, essayez lettering, parce qu'il n'y a pas encore trop de monde. Mais ça commence à venir. Donc, voilà, c'est en Yes. croissance. Et je pense que c'est surtout ça, en fait, ce côté nouveau, parce que moi, j'aime apprendre et transmettre. Donc là, en fait, dès que j'apprenais quelque chose, hop, je le retransmettais dans un article de blog, dans un tuto, etc. Et vraiment, je voyais et puis le lettering, je voyais aussi les cas d'application, en fait, tout simplement. Il y a beaucoup d'univers qui utilisent les lettres. Ça va être l'univers du mariage, l'univers de l'enfance. Les commerçants, si vous regardez les vitrines, si vous regardez les menus de restaurants, enfin voilà, il y avait quand même ce truc qui visuellement, moi je voyais que j'étais attirée par ça et que j'en voyais de plus en plus visuellement, même dans les Yes. magazines, papier, etc. Du coup, je sais pas si j'ai dit trois choses là, Bah mais écoute, essentiellement, donc cette histoire de niche, cette ouais, histoire de c'est nouveauté, construire quelque chose, être un peu précurseur dans un domaine, ça me plaisait bien ce yes, côté-là. ok. Voilà. Ouais, donc y en a trois. Donc c'est la partie justement niche. Donc le fait qu'il n'y ait pas encore grand monde dessus, donc c'est une opportunité et Oui. c'est bien d'y réfléchir quand on se lance. Et la partie nouveauté, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que du coup en fait tu t'es positionné comme quelqu'un qui avait envie de se lancer dans cette thématique, qui avait une certaine passion, mais tu t'es pas positionné comme une experte en tant que telle Voilà, c'est au ça. démarrage. Et du coup, Exactement. ce qui est intéressant, c'est en termes de pédagogie, enfin, quand on lit un livre, le meilleur moyen de comprendre ce qu'il y a dedans et d'être sûr d'avoir compris surtout, c'est de retransmettre l'information qu'on a obtenue. Donc toi, le fait justement de tenir un blog où tu retransmettais cette matière que tu avais mise en application toi-même, eh bien, ça te permettait d'apprendre aussi encore plus profondément. Et puis, il y a la notion de donc niche, nouveauté et passion, si je puis dire ça comme ça. Enfin, c'est Tout à un fait. thème qui te passionne bien. Donc ça pourrait être effectivement des critères que toi qui nous regardes aujourd'hui, sur lesquels tu pourrais, entre guillemets, réfléchir si tu as plein d'idées, plein de possibilités en termes de création, en termes de même de projets potentiels. Réfléchir à ce type de critères, ça peut être intéressant
Il y en a très certainement d'autres, hein, mais voilà, en tout cas, ce sont ceux que toi tu Oui, as mis en application exactement. par rapport au lettering. Tu voulais rajouter quelque chose? Juste le fait, voilà, un des avantages aussi quand on débute dans une discipline et qu'on la retransmet, c'est qu'on est assez proche finalement. En fait, on se place, on va dire, un petit cran au-dessus de ceux à qui on va transmettre, mais on n'est pas à mille, à des années-lumière, etc. Parce que, admettons, si je prends un autre exemple, la musique, un musicien, voilà, qui fait des concerts, qui est musicien depuis, qui a 40 ans de carrière, etc., peut-être il a oublié ce que c'était d'être débutant, être maître en quelque sorte au niveau du débutant. Donc ça, moi, je me sens assez proche de ma communauté. Je sais par quoi on passe quand on débute. Je sais les questions qu'on se pose. J'ai pas oublié en fait toute cette partie-là, bah, qu'on peut avoir oublié si on pratique depuis des années, des années. Hein. Même Non, bien là, peut-être sûr. je me dis en photographie, j'en ai fait depuis peut-être 10-15 ans. Est-ce que je me souviens de quand j'ai pris la première fois un appareil dans mes mains et que je savais pas du tout ce que c'était l'ouverture, la focale et toutes ces choses-là. Enfin. Ah, bien sûr, et ça, c'est effectivement ce qu'on pourrait communément appeler le syndrome de l'expert, mais c'est clair, et on le vit tous, hein, donc c'est pour ça que se mettre à la place de ses clients, c'est si compliqué, parce qu'en fait, on est, comme nous, quand on est expert, entre guillemets, après on met ce qu'on veut derrière le mot expert, on est d'accord, mais quand on est plus avancé que certaines autres personnes, on a effectivement parfois du mal à se remettre vraiment comme au tout début, quand on démarre quelque Oui. chose, effectivement, c'est aussi ça qui fait la force du coup de démarrer dans une thématique dans laquelle on est débutant aussi. En tout cas, c'est ce que tu voulais faire passer, je pense, Oui, tout comme à fait. message. Ok, C'est super. ça. Tu as parlé de deux mots qui me semblent intéressants à aborder aujourd'hui aussi, surtout bah, quand on parle à peut-être des âmes d'artistes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est ce syndrome de l'imposteur ou ce sentiment de légitimité. Ça, c'est le premier mot. Et là où il y a l'aspect autodidacte. Je propose qu'on en parle dans un deuxième temps, l'autodidacte. Mais par rapport à la légitimité et au syndrome potentiel de l'imposteur, qu'est-ce que tu auras envie de partager aux personnes aujourd'hui qui doutent peut-être d'être à la bonne place? Bah déjà, bah je reviens sur un peu ce que je viens de dire tout de suite là, c'est-à-dire qu'on est toujours un peu plus avancé, surtout si c'est. Bah moi, je suis à plein temps hein, sur le lettering, comme vous l'avez tous compris. Du coup, quelque part, par rapport à quelqu'un qui pratique en loisir, qui a y consacré peut-être 1 heure dans sa semaine, voilà, j'ai déjà cette avance-là. Et puis, on est toujours, entre guillemets, l'expert de quelqu'un. Enfin, voilà, il y a des gens qui vont être un petit peu. Au début de la recherche, de l'apprentissage, etc. Donc, il y a ça. Après, moi, ce que j'ai appris, c'est d'essayer. Ben, c'est très dur. Hein. Je pense que, de toute façon, voilà, je pense que je l'ai accepté, tout simplement, ce syndrome de l'imposteur, parce que j'allais dire, il faut arrêter de se comparer, mais en fait, bon, c'est plus On se facile à dire compare, qu'à ouais, faire, bien hein, sûr. concrètement. Mais c'est quand même ça qu'il faut faire, hein, c'est-à-dire arrêter de se comparer. Ben, oui, on s'inspire, on regarde les autres, on peut. Moi, ça m'arrive de dire même que je suis un peu envieuse ou un peu jalouse d'autres personnes que j'admire. Je crois même que le pire, c'est peut-être pas ça. Le pire, c'est d'être jaloux, on va dire, de quelqu'un qui réussit, mais qu'on n'admire pas tant que ça, ou qu'on se dit, ah, il est moins bon et pourtant il réussit mieux. Bon, voilà. Ça Mais m'est c'est déjà autre chose, arrivé ça, c'est aussi, pas le ouais, tout syndrome de à fait. l'imposteur. Mais pour dire que voilà, bon, c'est humain de se comparer. Mais en fait, bah, tu disais tout à l'heure, si on se concentre finalement sur les gens qu'on veut aider. Parce que pourquoi on a ce syndrome de l'imposteur? C'est parce qu'on se dit on n'a pas le niveau ou quoi. Mais finalement, ceux qu'on veut aider, ils s'en préoccupent pas de tout ça. Je veux dire, si à un moment ils sont arrivés dans notre cercle, c'est qu'ils se sont intéressés à ce qu'on faisait. Ça peut être, je sais pas, par le blog, là, par les réseaux sociaux, etc. Et donc, ils arrivent avec un cœur bienveillant en réalité. Enfin, sinon, ils n'ont qu'à pas rester, en fait, tout simplement. Donc c'est ça, je pense. Ben, j'ai appris ça aussi quand je montais sur scène. Voilà, quand j'étais chanteuse, notre prof de chant qui me disait mais vous vous rendez pas compte, vous êtes votre pire juge en fait. Ceux qui sont en face de vous, en fait, ils sont bienveillants, ils sont là pour vous écouter. Ben, sinon, ils seraient pas là en réalité. Donc je pense que c'est ça. Si on se sent imposteur, c'est qu'un peu on a un peu un ego, c'est-à-dire que voilà, on veut trop bien faire. Il y a aussi le syndrome un peu du bon élève aussi. Moi, j'ai aussi ce syndrome-là. Hein, voilà, parce que Yes. j'ai fait des bonnes études, je voulais plaire à mes profs, je voulais plaire à mes parents. Donc, il y a ce côté-là, je pense, dans le syndrome de l'imposteur, où on cherche trop à plaire. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire sur soi par rapport à ça, tout simplement. Yes, ben Si ça peut vous aider, mais voilà. mais Et c'est un beau c'est un chemin, partage, hein, hein. c'est. Après, je veux dire, on n'est pas arrivé, hein. Parce qu'on aura toujours, de toute façon, ce syndrome, il va
il va croire. Bah, à chaque fois, on se dit, ah, mais si j'arrive à niveau de un tel, je n'aurai plus syndrome d'imposteur parce que je serai expert, machin. Mais non, parce qu'on va toujours trouver au-dessus de soi. Et en fait, ça n'en finit jamais. Donc, Ouais, bien autant sûr. se dire tout de suite qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Yes, ben, y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand je t'entends partager ça. Moi, je me rappelle de, ben, un de mes professeurs formateurs à l'époque. Je faisais une formation longue et je culpabilisais un petit peu sur justement ce syndrome de l'imposteur, de me dire je suis pas capable de faire comme. Et le pire, c'est que j'avais déjà des clients. Et il m'a posé une question qui, moi, m'a vraiment fait un déclic. Et il m'a dit, mais est-ce que tes clients sont contents? J'ai répondu oui. Et il m'a dit, est-ce que c'est pas le plus important en fin de compte? Si tu aides les gens à avancer, peu importe entre guillemets ce que tu ressens, si les gens avancent avec ton aide, c'est ce qui compte. Et je dis ouais, en fin de compte, c'est C'est pas ça. faux. C'est super super important. Et alors il y a aussi une phrase. En fait, je suis occupé à lire The One Thing, passer à l'essentiel. Et la notion dont tu parlais tout à l'heure, le fait que tu étais à temps plein sur le lettering, alors que d'autres, ben, font ça comme passion, quelques heures par semaine, me fait penser à une histoire qui est racontée ici. C'est sur la notion de discipline. C'est un champion olympique de natation qui s'appelle Michael Phelps. Et en fait, lui a décidé de s'entraîner 7 jours sur 7. Et il dit à un moment donné ici, justement, que le fait de s'entraîner 7 jours par semaine, 365 jours par an, il part du principe qu'il prenait 52 jours d'entraînement d'avance les autres personnes qui s'entraînaient 6 jours par semaine. Et donc c'est cette notion-là aussi, je pense. En tout cas, moi, ça m'a fait tilt quand tu as partagé ça, sur cette notion que effectivement, si on pratique plus qu'une personne ou enfin, qu'une moyenne, ben, cette moyenne de personnes, forcément, on sera entre guillemets plus experte par rapport à elle, puisque on a 1, 2, 3, 4, 5 pas d'avance. Et donc ça, c'est une notion qui me semblait importante effectivement à nommer par rapport à la légitimité. En sachant que quand on parle de pas d'avance, bon, je suppose que toutes les personnes qui regardent ce live ont conscience qu'on est dans un cadre bienveillant d'écoute et de non-jugement. L'idée, c'est pas de se positionner et d'être supérieur aux autres. C'est juste qu'on a un pas, on est un pas plus loin sur le voyage et sur le chemin. Je pense que c'était important de clarifier aussi cette notion-là. Je sais pas si tu veux réagir, et puis sinon on peut passer Bah à oui, autre c'est chose. intéressant cette notion de pas d'avance, et surtout je pense dans le domaine artistique, tu vois, j'aime bien ton exemple de ce nageur parce que en sport, voilà, on peut vouloir voilà, avoir une performance, on peut se mesurer, etc. Mais en fait, en art, c'est pas comme ça qu'on réfléchit parce qu'il n'y a pas. On peut pas dire ouais, qu'on est meilleur, quoi. Enfin, sur l'art, bon, bah, il y a une question de goût, il y a une question de ressenti. Enfin, c'est encore plus complexe, je dirais. Même si je pense que dans notre esprit, on a toujours, oui, un musicien qu'on estime être meilleur qu'un autre, un artiste qu'on estime être meilleur qu'un autre, mais c'est notre propre, c'est purement subjectif, c'est notre propre ressenti. C'est même pas lié, souvent on dit en plus, c'est pas forcément lié au travail fourni, parce qu'on peut avoir, je sais pas, Oui, un bien coup de sûr. génie ou quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose d'impalpable un peu dans l'univers artistique qui d'ailleurs peut être perturbant parce qu'on se dit, mais comment c'est dur à mesurer, tout ça, enfin, ça peut être un peu paniquant presque de pas savoir finalement où on en est parce qu'on est quand même dans une société où on aime tout mesurer, savoir où on se place, on se compare à d'autres, on a besoin d'outils, voilà, de comparaison, etc. Donc dans l'art, encore plus compliqué, je dirais. Yes, ben c'est effectivement c'est subjectif et en plus le pire c'est que une personne va comment dire enfin un groupe de personnes va peut-être juger sur telle grille de critères et un autre groupe de personnes sur telle Complètement. grille de critères et Voilà. donc je prends un exemple concret, admettons un tableau, ben il y a certaines personnes ils vont juger sur l'aspect général de l'émotion qui est générée grâce à ce tableau ou avec en voyant ce tableau, et tu as peut-être des experts qui eux vont expertiser le type de peinture qui a été utilisée, la Oui, la technique technique. et donc effectivement Voilà, même il y a tout ça. une œuvre enfin une même œuvre peut être bonne ou mauvaise en fonction du cadre dans lequel on est et donc ça m'amène peut-être à l'autre thématique qui est peut-être justement le fait d'être autodidacte et cette notion de technique. Comment est-ce que tu apprends tout simplement? Est-ce que c'est par des livres? Est-ce que c'est par des formations? Et est-ce que tu choisis, je prends un exemple peut-être une caricature, mais est-ce que tu te dis non, moi justement c'est l'autodidacte que j'aime?
où tu te dis faire l'académie, ça peut quand même être pas mal. Mmh. Tu vois, c'est deux Mais antipodes en fait, c'est. ben oui, alors c'est pas évident en lettering en particulier parce que il n'y a pas vraiment d'école de lettering. Donc comme je disais, ça s'apparente un peu à la calligraphie. Mais la calligraphie, c'est justement la partie qui est très technique. À la plume, il faut un angle, il faut la taille de plume qui correspond, il y a des alphabets, il faut vraiment pas. Moi, je compare ça en musique, je dis c'est la musique classique, on va dire. Moi, je suis plus dans le jazz, l'improvisation, l'inspiration, etc. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, moi, je m'interroge beaucoup sur ces notions d'autodidacte, du coup, parce qu'aujourd'hui, l'école, ça explose un peu cette notion d'école, justement, avec les formations en ligne, le fait qu'on peut, on a un accès assez direct à l'information maintenant. On n'a plus besoin forcément d'une école, enfin, à l'ancienne manière, quoi, d'être à l'école, avec en plus un diplôme, etc. Donc, moi, j'ai aucun diplôme en lettering et je ne sais même pas si ça existe. Du coup, moi, j'ai un peu fait de tout. Donc, je me suis beaucoup instruite par des livres, par des vidéos. J'ai acheté des formations en ligne. Alors, il faut savoir que le lettering est quand même beaucoup plus développé, si je repars un peu sur l'histoire de niche, dans le monde anglo-saxon. C'est aussi ce qui m'a fait dire qu'il y avait quand même un marché. Hein, parce qu'on ne Une part pas comme opportunité, ça sur quoi. un truc. Des fois, une niche, c'est une niche parce que juste personne s'y intéresse. Hein. Mais donc, aux États-Unis, il y a même un. Il y a des conventions de lettering. C'est beaucoup développé aussi en Europe, plutôt Europe de l'Est, enfin vers l'Allemagne ou du Nord, enfin les Pays-Bas, Allemagne et tout. Ils ont aussi, je crois, un festival entre guillemets de lettering. Ça marche beaucoup en Inde. Alors ça, j'avoue, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a beaucoup d'artistes en lettering ou de cours de lettering en Inde. Il faudrait que je m'interroge pourquoi. Et du coup, moi, je me suis plutôt formée auprès d'Américains ou d'Allemands. Donc, livres, vidéos, formations en ligne, stages. J'ai fait des stages en présentiel avec plusieurs artistes. Donc, il y avait une artiste, elle était australienne, il y a un artiste suisse, il y a des artistes français aussi, hein, quand même. Et donc, voilà, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait un peu Yes. de tout, et voilà, tout simplement. Peut-être comme ça, j'ai testé plein de choses différentes et je peux aussi ça. conseiller à mes élèves, du coup. C'est ça, c'est cette notion où l'autodidacte permet de toucher à plein de choses que l'école aussi ou l'académie est très très formatée. Et du coup, moi je pense qu'il y a du bon dans les deux, effectivement. Ça dépend de l'objectif aussi qu'on a. J'ai testé par exemple l'académie pour le théâtre parce que j'avais envie de justement mieux maîtriser ma prise de parole en public. Et en fait, je me suis rendu compte après un an que je préférais faire de l'improvisation théâtrale. Tu vois, et alors, est-ce que c'est de l'autodidacte? Non, puisque j'ai un coach qui nous accompagne, on a un coach qui accompagne l'équipe, etc. Donc, on va dire que c'est aussi un peu formaté, mais en tous les cas, c'est une manière de faire qui me correspondait plus que le théâtre à proprement parler, où tu apprends un texte par cœur, où tu récites, etc. Mais il y a des choses qui sont bonnes dans les deux. Dans l'improvisation théâtrale, t'apprends plus la répartie et des choses comme ça. Dans la pièce de théâtre, effectivement, tu vas plus travailler la position sur la scène, des choses comme ça, bien qu'on y travaille un peu en improvisation théâtrale. Super, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à cette notion d'autodidacte? Si pas, on peut passer à une autre thématique. Oui, non, c'est bon, on peut passer à notre thématique si. Ok. La grande question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est sur la notion d'offre. Est-ce que quand tu t'es lancé en 2019, tu avais clairement en tête une offre que tu allais proposer? Donc, tu l'expliquais, hein, que tu avais déjà des idées, plein d'applications qui te venaient à l'esprit. Mais est-ce que c'était clair d'emblée ou est-ce que c'est le fait d'avoir développé la communauté, tes compétences, etc., qui a fait que tu as sorti une formation à un moment donné? En sachant que quand tu t'es lancé en 2019, si j'ai bien entendu, tu avais déjà donné des ateliers bénévolement. Oui, tout à Okay. fait. Ouais, exact. Donc tu avais Donc déjà moi, voilà. testé. Donc du coup, alors voilà, sur les différents types d'offres, non, je savais pas du tout. Enfin, je savais assez peu ce que je voulais faire, à part sur la partie pédagogique. Donc pédagogique, je savais que je voulais continuer des ateliers en présentiel, donc cette fois payant. Donc là, c'est, je veux dire, c'est assez simple à mettre en place. Hein. Il faut chercher une salle, en gros, et puis après chercher des élèves. Mais je vais dire que c'est assez classique comme mode d'acquisition d'élèves, c'est-à-dire voilà, communiquer sur un peu les canaux dont on dispose. Il faut un peu savoir analyser où sont bah, les canaux sur lesquels on a le plus de
de gens et puis on y arrive. Après, la partie en ligne, je pense que j'avais un peu un blocage à la fois pour. Parce qu'en présentiel, on s'adapte à l'élève. Bon, c'était des cours plutôt débutants, donc on va apprendre par exemple le brush lettering, hein, qui est une branche du lettering. Et c'était cette partie qui plaisait, donc c'était assez clair. Après, sur la partie en ligne, là, j'hésitais parce que je ne savais pas par quel bout le prendre. Il y a aussi l'aspect technique, on ne sait pas quelle plateforme. On ne sait pas les moyens de paiement. Et bizarrement, on est. Alors là, je parle pour moi, hein, mais quand on n'aime pas trop la technique, on va dire, c'est un peu le truc qu'on met en avant, alors que finalement, on arrive toujours à se faire aider, on arrive toujours à. Enfin, peu importe, j'ai envie de dire le choix de la plateforme. Mais ça peut aider à la procrastination quand même. Donc, du coup, ça, c'était quand même le truc qui m'avait un peu bloqué. Et puis aussi parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, avec toutes les idées aussi, par exemple, de faire des vitrines pour des magasins, des choses un peu comme ça, dans ma tête, ça dispersait un peu le message. Je me disais, ah, est-ce que je me concentre sur cet aspect technique et puis je sors cette fameuse formation en ligne, ou est-ce que j'essaye de démarcher des restaurants de mon quartier, par exemple, pour leur demander s'ils veulent que je fasse leur vitrine. Donc oui, ce qui est dur, je trouve, c'est d'être focus sur quelque chose, de quand même faire un choix. Donc, même dans une niche, on a un choix à faire à un moment, qui ne ferme pas la porte aux autres. Possibilité, mais si on ne se concentre pas sur une chose, on va vraiment disperser ses efforts. Et donc, comme après, donc alors 2019, j'ai quand même réussi un moment à débloquer cette affaire de formation en ligne, puisque je l'ai sortie fin 2019, de justesse pour 2019, sous la forme d'un club. Donc là, j'ai choisi la forme d'abonnement, mais là, pareil, il y a plein de formes qui existent, la petite formation, la très grosse formation sur plusieurs mois, le système d'abonnement, et là aussi, on peut se vraiment rester longtemps en fait, c'est fou, mais à se poser des questions sur, je vais pas dire des détails, mais en tout cas, voilà, si c'est ça qui vous bloque, là je parle à ta communauté, bah, sachez que vous trouvez des fausses excuses. Voilà. Concrètement, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il ne faut pas passer 3 mois à se demander ce qu'on va faire, quoi. Faut essayer, faut tester, et puis si ça ne marche pas, on passera à l'idée suivante en fait. C'est ça que je conseille, pas d'être quand même dans l'action et pas trop dans la réflexion. Donc fin 2019, de justesse, sur ma formation en ligne. En plus, à Paris, il y a eu les grosses grèves. Donc décembre, j'étais ravie parce que je ne pouvais plus trop. J'ai dû annuler des ateliers, hein, concrètement, parce qu'il n'y avait plus de transport en commun. Et heureusement que j'avais cette partie en ligne. Et puis 2020, voilà ce qu'on connaît actuellement. Et là, je me suis dit, finalement, c'était peut-être pas une si mauvaise idée de se De concentrer se sur le lancer, quoi. online, même si personne n'aurait pu prévoir une chose pareille. Hein, mais voilà, comme quoi. Faut suivre son intuition de départ, hein, puisque quand j'ai commencé le blog, c'était quand même ça que je voulais faire. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours une offre à abonnement ou est-ce que tu as évolué dans le modèle J'ai justement? évolué. Alors j'ai évolué. L'offre abonnement existe toujours et j'ai des élèves dans cette offre. Donc je réfléchis à peut-être la faire évoluer parce que cette offre va avoir 1 an. Donc j'ai 1 an de contenu que je peux vendre en package. Faut savoir que l'abonnement, donc il est mensuel sans engagement, mais il y a des personnes qui ont pris l'abonnement annuel. Donc ils ont. Moi, je trouvais en fait pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que dans le domaine artistique, je m'étais un peu calquée sur le présentiel où, bah, comme toi, par exemple, en théâtre ou en musique, on s'inscrit en septembre pour une année jusqu'en juin. Et pour moi, il y avait cette. Pour moi, ça avait quand même une logique, un sens de dire on prend 1 an en On fait, fait une un saison, an quoi, en d'un gros. cours. Voilà, il y a une sorte de saisonnalité. Donc j'ai un peu les deux. Il y en a qui préfèrent voilà, prendre mensuel, comme ça il n'y a pas trop d'engagement, ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. Il y en a, ils ont pris à 1 an, comme ça, voilà, ils savent qu'ils vont avoir comme un parcours. C'est quand même un parcours, hein, ce club, donc avec une pédagogie, une méthodologie, etc. Donc le club existe toujours. Et après, j'ai sorti à côté des plus petites formations qui se vendent en one shot et qui sont plus voilà, formation vidéo avec accès à vie, etc. Alors que le club, quand on se désabonne, on n'a plus accès à la plateforme. Donc en Donc fait, voilà, il y a les deux qui cohabitent aujourd'hui. Et là, les analyses récentes que j'ai faites ne m'ont pas amené à tuer l'un ou l'autre. Donc c'est ça. les deux marchent à peu près au même niveau. Et du coup, je vais garder les deux jusqu'à ce qu'à un moment, quelque chose me fasse décider autre chose. Mais pour l'instant, en tout cas, le club, ça m'oblige à continuer à produire du contenu régulier. Donc ça, c'est pas C'est ça. mal. J'avais quand même cette habitude avec le blog, mais du coup. Même si j'arrête le club, je pourrais le découper en plein de petits cours thématiques et les vendre comme Les ça en vendre à format part, passion. quoi. Et donc là, pour l'instant, donc tu as le club qui fonctionne par abonnement mensuel ou annuel. Quand Voilà. quelqu'un s'inscrit, par exemple, ce mois-ci, est-ce que c'est le même cours pour tout le monde ou est-ce qu'il redémarre au tout début? Il redémarre au tout début.
D'accord. Donc ça veut dire qu'en gros, tu as peut-être 12 cours, comme tu as dit, 10-12 cours Voilà, d'avance, et c'est quelqu'un ça. qui achète peut déjà, enfin, entre guillemets, tu n'as pas de contenu à produire pour Voilà, cette pour les nouveaux, personne-là. donc. Ok, Mais c'est ça. voilà, c'est ça. Et comme il y en a Pour qui sont les... depuis le début et qui sont toujours là, du coup, je Il faut continue à continuer. produire. Ben, c'est bien parce que du coup, Voilà. tu Mais vas c'est peut-être... bien, c'est une bonne dynamique, ça me donne un rythme, et Ouais, puis c'est après, je chouette. verrai justement avec le temps. Ok. Et est-ce que tu accepterais de nous parler un peu du tarif que tu pratiques pour le club et pour tes produits? Oui, bien sûr. Bah, disons, bah, là encore, hein, c'est quand même des tarifs qui ressemblent à ce qui se fait dans le domaine artistique, c'est-à-dire c'est 45 euros par mois pour le club ou 450 si on prend à l'année, sachant que du coup on a 2 mois offerts vu que c'est sur Oui, 12 mois. ok. Et sinon, les plus petites formations, c'est autour de 47, 57 euros. Ok, c'est ça. Et donc là, Voilà. tu n'as pas encore fait, ou c'est peut-être une volonté, de formation package complet à, par exemple, à 1 000, 2 000, 3 000 euros en fonction de... Ça n'a peut-être pas de sens aussi pour ton Ben, activité. sur ce domaine, j'ai pas l'impression que quelqu'un serait prêt. Déjà, à l'année, pour moi, c'est mon plus gros package, on va C'est dire, ça, un oui. peu comme un abonnement à une salle de sport, quoi. Mmh. Disons, je pense que jamais j'irai au-delà de 500, par exemple. C'est un C'est peu vrai. un prix psychologique. Alors, sauf, parce que j'ai d'autres idées de produits, si je forme des professionnels, c'est-à-dire des gens qui veulent faire du lettering pour une application professionnelle, parce que là, c'est un peu différent. Ils vont l'appliquer Yes. pour eux-mêmes gagner de l'argent avec. Soit en vendant des œuvres, soit eux-mêmes, par exemple, je pense aux graphistes, je pense peut-être faire un petit package pour des boutiques ou enfin voilà, des gens qui veulent le faire dans leur entreprise à eux, ou devenir formateur. Bon, dans ce cas-là, c'est un peu différent. Justement, Mais j'aime ça. bien ce côté, j'aime quand même garder ce côté loisir créatif, en fait. Je ne me suis pas démarquée par rapport à ça. Je C'est ça. sais qu'il y a des discussions, hein, entre collègues créatifs, on se pose un peu des questions. Après, c'est peut-être une croyance limitante de ma part, mais c'est vrai que pour l'instant, le public que j'attire, pour moi, c'est le bon, c'est celui qui veut se faire plaisir, qui veut amener de la créativité dans sa vie, etc. Après, je ne dis pas les autres, par exemple, de team building entreprise, c'est encore autre chose, et du coup, le tarif est différent. Oui, bien Mais sûr. là, pour un loisir créatif, ça me paraît être je me sens alignée avec ce prix-là, en tout cas. Mais Voilà. justement, ça me permet de rebondir sur la promesse. C'était ma prochaine question. En Ah oui. lien avec justement, quand tu promets quelque chose qui permet de gagner de l'argent après, c'est différent que quand tu promets ben, l'application en loisir. Et effectivement, donc toi, ça a été un choix de ce que je viens d'entendre. C'est un choix qui te Oui, sur ce correspond. positionnement, oui. Tu as la possibilité d'évoluer. Mais justement, aujourd'hui, si tu devais résumer un peu la promesse que tu proposes aux personnes qui achètent du loisir créatif, quelle est cette promesse? Ça me semble intéressant à creuser parce que quand on est artiste, on n'a pas forcément cette notion de valeur que l'on apporte aux gens. On n'a pas forcément conscience que ce qu'on apporte... Ça a de la valeur, soit parce qu'on a un certain talent, soit parce qu'on a certaines facilités. Et donc, ça me semble intéressant peut-être d'aborder cette thématique de promesse. Et est-ce que cette promesse a évolué depuis le début? Est-ce que tu en avais une différente au départ? Je pense que j'ai beaucoup axé, donc le lettering, donc c'est très visuel, j'ai beaucoup axé sur le visuel, l'effet waouh, de se dire, ah bah tiens, moi aussi j'aimerais savoir faire ça. Dans ma communauté, c'est beaucoup des gens qui pratiquent déjà en fait un loisir créatif. Donc, Ok. soit ils pratiquent dans leur bullet journal, comme moi à mes débuts, pour faire leur carte de vœux. Il y a des gens du monde du scrapbooking, des gens du monde de la peinture, en particulier l'aquarelle. Il y a beaucoup d'aquarellistes qui font en fait des sortes de couronnes fleuries, qui veulent écrire un joli lettering à l'intérieur. Donc voilà, c'est un peu ça, ma communauté. OK. Je suis partie sur ça, sur quelque chose d'assez ludique, auprès de personnes qui ont déjà en fait dans leur quotidien quand même ce truc-là Un loisir. du fait main aussi. Il y a toute une communauté du do-it-yourself, du fait main. Il y a même des salons, hein, du do-it-yourself. Donc, j'ai essayé de viser ça et du coup de parler avec leur langage à eux. Voilà, des gens qui veulent faire eux-mêmes leur carte d'anniversaire, leur carte de vœux, avoir un joli effet, mais tout en. Il y a le côté donc visuel, puis il y a le côté bien-être, prendre du temps pour soi, se poser pour créer. Parce que souvent, bah, comme on a dit tout à l'heure, c'est des gens bah, qui font autre chose à côté, qui peuvent y consacrer hein, une durée assez limitée. Et du coup, moi, je leur fais gagner du temps déjà sur ne pas avoir à chercher des cours, ne pas avoir à chercher des inspirations. Je travaille aussi beaucoup sur l'inspiration, où trouver l'inspiration, etc., la créativité. Est-ce que ça a évolué avec le temps? Bah,
Des fois, je réfléchis parce que c'est dur. C'est vrai que je m'interroge pas mal sur ce côté bien-être. J'ai pas mal de contacts dans tout ce qui est un peu le slow life, bien-être au travail, des choses un peu comme ça. Bon, là, c'est quand même plus la partie bien-être. C'est un côté aussi méditatif. Tous les gens qui font de la calligraphie ou du lettering savent que voilà, on se pose, on est dans sa bulle, on ne pense plus à rien, etc. Mais un peu comme, je sais pas, le sport, la musique. Et donc le côté bien-être, et puis le côté purement visuel, créatif, je fais des belles choses. C'est des gens pour qui l'esthétique a une importance vraiment importante dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qui aiment aussi la déco d'intérieur, qui aiment les couleurs, qui aiment les jolies choses, les belles choses. Donc voilà, il y a un peu ces deux aspects, C'est le deux aspects beau là, quoi. et le bon. Enfin, c'est Ouais, donc c'est un ça. regard un peu philosophique, mais... C'est joli. mais donc, c'est cette notion, en fait, le bénéfice que tu apportes au client, c'est vraiment c'est le plaisir de faire de belles choses, de prendre du temps pour soi aussi, de se poser, etc. Et donc, là, on est quand même assez éloigné d'un public entrepreneur. Là C'est où, vrai. là où, si justement, tu pars sur de former des professionnels qui eux-mêmes vont pouvoir gagner de l'argent avec ces techniques et cet art que tu leur permets d'apprivoiser, si je puis dire ça comme ça, avec des techniques, etc. Eh bien, là, ce sera plus un public, effectivement, d'entrepreneurs. C'est intéressant parce que c'est rare dans les interviews que j'ai l'opportunité de faire, mais d'avoir justement des personnes qui s'adressent à un autre public que des entrepreneurs. Enfin, c'est vrai, il faut à la fois, mais en tout cas, pas spécialement entrepreneur, mais plus univers professionnel. Là, toi, on est vraiment dans l'univers Ah, loisir, quoi. moi, On est c'est vraiment vraiment. le particulier. Ah oui, tout à fait. C'est. D'ailleurs, tiens, on n'en a pas parlé, j'aimerais bien évoquer ça. Hein. Une offre qui m'a été inspirée par le confinement. Ah, vas-y. J'ai une offre qui est entre guillemets, parmi mes petits produits, hein, donc pas abonnement, qui est le lettering fun en famille. Et donc là, Ah. j'ai vraiment pensé aux enfants, c'est-à-dire tous ces parents qui se sont retrouvés avec leurs enfants à la maison, à pas savoir quoi faire, etc. Et j'ai fait un atelier en ligne qui était gratuit. Hein. Alors voilà, j'ai communiqué bah, comme d'habitude hein, sur mes réseaux. J'ai pas fait de pub, j'ai pas payé de pub. C'était vraiment que mon réseau à moi, mais ça a été vraiment bien relayé. Donc il y avait 300 personnes qui se sont inscrites. Et donc je me suis retrouvée avec cet atelier où j'avais des centaines d'enfants devant moi, on va dire ça comme ça. Moi, je suis pas de l'univers de l'enfance, hein, donc c'était très nouveau pour moi. Donc parents-enfants, à faire avec moi du lettering. Ça m'a apporté beaucoup d'émotions. J'ai sorti dans la foulée cette formation que j'ai tournée en juste quelques jours. Ça m'est vraiment tombé dessus. Même quand j'en parle, je me sens très, très émue. Ou à la fin, par exemple, de l'atelier, parce que c'était un atelier sur Zoom, hein, comme là, on est ensemble. Sauf que comme il y avait des centaines de personnes, j'ai dû couper les micros de tout le monde, etc. Et du coup, voilà, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait en quelque part de l'autre côté. Et à la fin, quand j'ai rouvert tous les micros, que j'ai dit, allez, les enfants, montrez-moi vos œuvres, et que j'ai vu tous les enfants qui montraient leur lettering comme ça. Et alors là, je me suis pris une sorte de bouffée de bonheur, comme ça, Ouais, c'est chouette. de ce partage. Et c'est aussi ce resserrement des liens familiaux, tout ça. J'y avais pas du tout pensé. Si je t'imagine, le blog en 2018, voilà, ça m'a mené à ce truc-là. Vraiment jamais j'aurais pu l'imaginer. Donc oui, je pense qu'il faut aussi se laisser porter par les circonstances, voir ce qui peut se créer. Et il y a ce côté, du coup, que je réfléchis là, de développer, du coup, qu'est-ce que ça peut apporter à des familles, à des enfants, le fait aussi de travailler l'écriture, parce que mine de rien, on dessine, mais on dessine des lettres, et du coup, refaire aimer bah, les feutres, les stylos, le papier aux jeunes, hein, parce que là, je dis des enfants, ça peut être des ados aussi. Se déconnecter, hein, même si là c'était un atelier en ligne, il y a les deux côtés. Mais non, cette offre, elle avait pas mal marché aussi. Je pense que voilà, on peut se laisser surprendre en fait Yes. Et par l'écoute. transformer aussi effectivement les contraintes en opportunités. C'est un peu ce qui s'est passé, je pense, pour beaucoup de monde pendant le confinement, puisqu'on a été obligé là où d'habitude on n'y pense pas forcément. J'aime beaucoup parce que moi j'ai un peu la chair de poule à t'écouter, parce que justement il y a le lien avec l'émotion aussi. Je pense que chaque entrepreneur, puisque bah, déjà peut-être la question c'est, est-ce que tu te considères comme entrepreneur aujourd'hui? Oui, hein, totalement. Bah, en fait, moi, j'étais ancienne salariée et je me suis découverte une passion pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est digital marketing, comprendre le consommateur ou des choses comme ça, la prospection,
Ça me passionne. Enfin, j'en bois, j'en mange des théories sur tout ça parce que ouais, je trouve ça passionnant. C'est la psychologie humaine, c'est vraiment apporter un service. Alors, moi, j'étais très servie. J'étais dans l'entreprise, j'étais plutôt sur soit des services clients, soit des postes où on devait mettre en relation, beaucoup des postes d'interface où on mettait en relation, par exemple, des techniciens et des marketeurs, des choses comme ça. Donc, je pense que j'ai quand même toujours eu cette appétence à faire discuter des gens de mondes différents, etc. Et ouais, du coup, le monde de l'entrepreneuriat, ça a été une découverte pour moi, vraiment une sorte de révélation, ce monde du service, en fait, de vouloir Yes. apporter quelque chose à des gens. Voilà, là, cette fameuse transformation, ouais, qu'on apporte. Ouais. C'est justement c'est là où je voulais en venir, et c'est pour ça que je te demandais si tu te considérais comme entrepreneur aujourd'hui. C'est que je pense que tout entrepreneur, alors on va laisser de côté les business, enfin les gens qui voient que les opportunités, qui sont là que pour ça, les opportunistes, si je puis dire ça comme ça. Mais voilà, quelqu'un qui, donc un entrepreneur pour moi, apporte de la valeur. Et change le monde à son échelle. Quelqu'un qui va aider un client, le client va rentrer chez lui, il va être de meilleure humeur, etc. Ben, ça va impacter sa famille, qui va impacter. Et pour moi, voilà, il y a cet effet boule de neige. J'en parle dans le livre Destination Business Bonheur. Et donc vraiment, ça, pour moi, c'est ça qui est passionnant dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que je posais la question parce que du coup, peut-être qu'avant, tu te considérais pas comme entrepreneur, tu te considérais comme artiste, comme le thème c'est aujourd'hui âme d'artiste, entrepreneuriat, est-ce que du coup tu te considères encore comme artiste? Alors, sur le côté artiste, alors c'est un peu bizarre parce que moi je me considérais artiste, je sais pas trop comment je vais pouvoir exprimer ça, mais j'en parlais d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec mes cousines, enfin, en famille. Il est bizarre ce mot artiste parce que quelque part, j'essayais pas forcément de me mettre cette étiquette d'artiste, c'est les gens qui me le mettaient, c'est-à-dire qu'ils voyaient, ah oui, alors Ilan. Elle est chef de projet informatique, mais vous savez, à côté, elle fait de la musique, elle fait du dessin, et donc elle est artiste. Mais ça n'avait pas forcément un grand sens pour moi, parce que c'est quoi un artiste? Alors, okay, c'est quelqu'un qui crée, est-ce que c'est quelqu'un qui vit de son art? Est-ce que c'est. Par rapport au loisir créatif, typiquement, j'avais du mal à me positionner. Bah, le loisir, le hobby, est-ce que c'est, du coup, on peut considérer que c'est être artiste? Mais dès qu'on fait quelque chose qui est dans ce domaine, ça, soit la musique, le dessin, c'est tamponné artiste. Donc déjà, moi, j'étais tamponnée artiste, même quand j'étais chef de projet informatique. Je faisais des expos photos, je faisais des concerts, donc voilà, j'étais l'artiste de la boîte informatique. Okay. Après, quand je me suis lancée dans le lettering, pour moi, l'artiste, c'est plutôt l'auteur en réalité, c'est-à-dire un artiste, il va, je sais pas, soit écrire un livre, soit faire des tableaux, ou exposer. Oui, j'exposais un peu quand je faisais mes photos. Mais là, en lettering, concrètement, je ne vends pas devant un lettering. Hein. Et donc, je me considère plus aujourd'hui comme prof entrepreneur que artiste entrepreneur. Donc, c'est un peu pour ça, je ne sais pas, ce mot artiste, j'ai encore du mal. Ça se trouve, il y a un moment où je passerai un peu ce cap, où je me dirais, bon, si, après tout, peu importe, c'est qu'un mot, et puis pourquoi pas, hein, Ouais, je bien sûr, produis quand ouais, tout même à de fait. l'art. Mais ouais, il y a une question d'identité, enfin, l'identité de l'artiste, c'est pas facile. Et puis, parce que aussi, on pose des étiquettes de l'artiste incompris, de l'artiste qui souffre, de l'artiste, voilà, il y a tous ces trucs-là un peu dans l'imaginaire collectif de l'artiste, et c'est aussi pour ça que je ne m'étais pas lancée. Bien, on pourrait se dire, mais alors, ok, tu faisais tout ça, et alors, quoi, ça, ok, tu as fait une école de commerce, mais pourquoi tu n'as pas fait une école d'art ou, parce qu'en fait, c'est depuis enfant que j'aime dessiner, que j'aime chanter, etc. Et ben moi, même enfant, je pense qu'on m'a insufflé ce truc de l'artiste sous les ponts. C'est C'est-à-dire, pour ça, moi, ouais. l'artiste, il faut qu'il souffre, il faut qu'il gagne pas sa vie avec, il faut que tout ça, voilà. Ouais. À la Ouais, Van Gogh, quoi, il faut c'est qu'il se coupe juste. une oreille. Enfin, c'était vraiment. Donc, du coup, je disais, oula, c'est peut-être pas ça que je veux, en fait, être artiste. Et aujourd'hui, c'est différent, justement, avec l'arrivée, bah, de l'artiste entrepreneur, de l'artiste un peu marketeur. Enfin, on voit bien après dans le domaine. Voilà, est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas. Des fois, on dit oui, alors lui, c'est pas un artiste, il fait du commercial. Alors, bah, ok, mais enfin, après, je sais pas, va lui demander, est-ce que lui. C'est quoi, en fait, qui le pousse? Finalement, l'artiste, c'est l'intention. C'est-à-dire. T'as un message à porter au monde ou t'as un truc que tu veux montrer, parce que c'est ça aussi, cet artiste, est-ce que tu gardes tout pour toi? Non, en général, un artiste, il va faire une expo, ou il va faire un concert, ça, il va montrer en fait ce qu'il fait, le produit de son art. Donc voilà, voilà, on peut partir dans des débats philosophiques sur est-ce que c'est un artiste. C'est difficile, mais moi, j'y crois à l'artiste entrepreneur. C'est-à-dire que pour moi, quand je vois d'autres artistes qui, justement, ben, entre guillemets, vivent sous les ponts,
Je me dis, c'est dommage qu'ils n'aient pas développé la partie entrepreneur, C'est parce que ça. si au bout du bout, quand même, c'est faire passer leur message, c'est dommage qu'ils n'utilisent pas des outils qui leur permettent de faire passer leur message. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les jeunes générations, on est quand même plus habitués, hein, à être connectés aux réseaux sociaux et tout. Et du coup, je ne sais pas, hein, il y a des chanteurs, voilà, ils se sont lancés sur TikTok. Hein, enfin, voilà, il n'y a pas Ouais, de bien mal à sûr. ça, en réalité. Il y a des Donc oui, il y a opportunités. peut-être une nouvelle forme d'art maintenant, avec tout ce qu'on vit dans la société, quoi. En plus, Mais on je le ne sais pas, disait par exemple, toi, tout. c'est quoi, pour toi, c'est quoi un artiste? Ça peut être C'est intéressant, justement. ce que j'allais dire. En fait, c'est Oui. comme on disait tout à l'heure, une œuvre d'art, ben, c'est la vie sur une œuvre d'art, c'est relatif. Et c'est vrai que du coup, en parlant avec toi, le mot artiste, ben, c'est relatif. Un artiste pour moi va pas être un artiste. Enfin, ce qui définit être un artiste pour toi va pas être la même chose que pour moi. Moi, pour moi, ce que je mets derrière le mot artiste, c'est à partir du moment où tu as la. Enfin, moi, pour moi, l'art, ça a lien avec les mains. C'est à partir du moment où tu crées quelque chose avec tes mains, ben, tu as l'aspect créatif. Encore que j'ai écrit un article il y Il a y a pas longtemps sur. l'artisan aussi, alors C'est ça, voilà. pas Ça, évident aussi c'est effectivement, c'est l'influence. plus l'artisan. J'ai écrit un article sur la notion de. Pour moi, il y a deux grands types d'artistes. Il y a l'artiste qui part de zéro. Encore que aujourd'hui partir de zéro, mais je prends un exemple, bah, quelqu'un qui prend de l'argile et qui fait un pot, une poterie avec, bah, pour moi voilà, c'est l'artiste qui part de zéro. Et puis tu as l'artiste que moi j'appelle l'artiste mash-up, en lien avec la musique, c'est il va prendre des choses qui existent et il va faire un mix pour recréer quelque chose de nouveau à partir de choses qui existaient déjà. Et moi je me trouve, enfin moi je me ressens plus artiste mash-up que artiste tout court. Après, on m'a fait remarquer que j'avais écrit des bouquins et que j'étais parti de zéro. Mais je dis oui, mais en même temps, ce qu'il y a dans le livre vient de choses que j'ai apprises par le passé. Et donc, Oui, ce c'est n'est ça. qu'un On a quand mix même aussi, voilà. toujours, ouais, son histoire et Et puis son. voilà, c'est ça. Et donc, voilà, le côté artiste, en tous les cas, c'est vrai que c'est un public, moi, qui me tient à cœur. J'avais lancé à l'époque êtreunartiste.com, qui malheureusement n'a pas fonctionné. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, c'était le marketing au service des artistes. Mais la majorité des artistes que j'ai rencontrés, donc je m'adressais principalement aux personnes qui faisaient de la musique, parce que c'est un domaine que j'aimais beaucoup. En plus, c'était les prémices du streaming, etc. Ben voilà, moi, je me voyais suivre les groupes de musique en backstage, faire des tweets. Enfin, vraiment le truc qu'aujourd'hui est fait par une majorité des groupes. Donc peut-être que c'était un petit peu trop pionnier aussi. Mais quoi qu'il en soit, je me confrontais à des artistes qui ne considéraient pas leur art comme un business. Et du coup, ça pose problème parce que ça freine la possibilité de développer en fait et de gagner Oui, sa vie par rapport à diffuser et son. puis après continuer à en faire aussi, ouais, c'est ça. Exactement. Et il y a aussi cette notion d'artiste. Comment dire? Il y a une phrase moi qui m'avait choqué à l'époque. C'était, mais d'ailleurs je l'ai mis dans la description de ce live. C'est cette notion de prostitution. Un artiste n'a pas envie de prostituer son art. Sous-entendu, si je gagne de l'argent avec mon art, je prostitue mon art. Ce qui est faux. Enfin, c'est une manière de voir les choses, mais entre guillemets, le fait de partager ton art et de gagner ta vie avec ton art, ben, c'est tout aussi légitime que de gagner ta vie en faisant de la plomberie ou en faisant d'autres choses. Enfin voilà, on va me dire que je suis péjoratif, que je compare l'art à la plomberie, mais c'était pour montrer un métier manuel que j'ai dit ça plutôt. C'était voilà, pour montrer que, voilà, que ça a tout autant de la valeur qu'un formateur qui va partager un savoir, etc. Donc voilà, moi je devais partager quelque chose aux artistes qui nous écoutent, mais je dirais croyez en vous et justement dites-vous que votre art mérite d'être diffusé et qu'un des moyens de le diffuser, ben, c'est d'être serein financièrement et de partager votre message au monde. Toi, Ilan, qu'est-ce que tu auras envie de partager aux artistes, aux âmes d'artistes qui nous écoutent, qui doutent peut-être encore que développer un business à partir de son art, ce n'est pas quelque chose qui est faisable ou qui est bien. Grande responsabilité. Alors, grand message aux artistes, écoutez-moi les artistes. je sais pas trop, bah, moi ce que j'ai envie de dire, bon, je pense pas que j'ai tant côtoyé que ça des artistes qui en sont là à se dire que, enfin, je pense que il y en a peut-être, ils disent ça, mais au fond, ils vendraient leurs œuvres, ils seraient très heureux, je pense. Enfin,
Non, après, peut-être je dirais oui, il faut vivre dans son monde, il faut essayer de savoir entre ses envies, entre ceux à qui on s'adresse. Après, je pense que c'est un peu, pas que pour les artistes, on parle souvent de trouver son pourquoi, mais je pense que si on ne se connaît pas soi-même en tant qu'artiste, en tant qu'être vivant, et qu'on ne sait pas pourquoi on fait tout ça, on va pas y arriver en fait, parce qu'on patauge, quoi, on est dans le flou, il faut travailler en fait sur clarifier son pourquoi, clarifier son message, clarifier pourquoi. Souvent, on n'est pas artiste par hasard. C'est qu'on a quelque chose qui doit sortir de nous. Bah, comme tu disais, il y a cette espèce d'objet physique là qui doit sortir, tu vois, des mains. Donc, il faut pas trop écouter, se laisser influencer par l'image de l'artiste. Du coup, bah pareil, tout à l'heure j'ai dit le mot ego. Enfin, il y a ce côté-là, hein, il y a souvent le mot ego à côté du mot artiste. Et du coup, se connaître soi-même, je pense, c'est hyper important pour un artiste, en fait. Pour savoir pourquoi on le fait, quel message on porte, pour qui on parle, pour qui on dit tout ça. Et si on est clair sur son message, on est plus clair sur ce qu'on va apporter. Et on se sent moins. Parce qu'on parlait, oui, de l'argent, la prostitution, parce que c'est cette histoire d'échange, etc. Mais enfin, c'est pareil. Enfin, pour beaucoup de gens, l'argent, c'est sale, c'est un truc, voilà, on ne peut pas trop parler, etc. Moi, je trouve qu'il y a pas de problème, quoi, avec l'argent. Donc, une fois qu'on est. Si on arrive à la fois, donc, à se réconcilier avec soi-même, son pourquoi, et avec l'argent, après, voilà, il n'y a plus qu'à se demander ce qu'on veut faire. Effectivement, il y a pas mal de choix, de direction à prendre, etc. Mais. Moi, je sais pas, je trouve que enfin, en tout cas pour moi, la manière dont je l'ai vécu, les choses sont faites quand même de manière assez fluide. Je ne me suis pas trop torturée le cerveau. Je continue, je réfléchis, etc. J'avance. Être dans l'action aussi. Peut-être qu'il y a des artistes qui sont trop aussi dans la Dans la réflexion. tête, ouais. Et même des entrepreneurs. Et puis se faire, oui, oui, un autre truc très important, s'entourer. Enfin, ne pas être artiste isolé. Parce que dans ce côté artiste incompris et tout, c'est ça, c'est peut-être des gens qui n'ont pas été entourés des bonnes personnes. Il y a beaucoup de messages un peu parasites, même de sa famille ou quoi. Donc quand je dis s'entourer, c'est des bonnes personnes. Il ne faut pas tout le temps demander l'avis à, je sais pas, son frère, son oncle ou quoi. Enfin, si c'est une personne qui va être toxique et qui va pas t'encourager, bon, ben, Yes. c'est embêtant. Donc aller vers les autres, pas rester Yes. dans son coin. Et ça rejoint le deuxième principe des cinq principes pour vivre une vie épanouie de la méthode Business Bonheur, qui est se créer des environnements gagnants. Et effectivement, ça me semble primordial aujourd'hui. Donc, si je devais résumer un petit peu tout ce qui a été dit pendant ce café virtuel du Business Bonheur, c'est la notion que justement, aujourd'hui, on a la possibilité, même si on se considère plus comme artiste qu'entrepreneur, de lancer une activité commerciale, si je puis dire ça comme ça, et de vivre au travers, enfin en tout cas de mettre son art au service de son business, et de mettre son art au service de ses clients, sous-entendu aussi. Puisqu'aujourd'hui, c'est ce que tu fais, c'est que tu permets à tes clients d'être encore plus épanouis dans leurs loisirs créatifs, grâce à tes formations, grâce à tes accompagnements, etc. Il y a aussi la notion, on a parlé de légitimité et du fait d'être autodidacte. Mais pour moi, effectivement, c'était deux notions extrêmement intéressantes à aborder. Le grand message, au final, c'est on est toutes et tous capables de grandes choses. En tout cas, moi, c'est mon interprétation et c'est ce que j'ai envie de retenir de cette session, et que le plus grand frein, bien souvent, c'est nous-mêmes. Et donc, mieux se connaître pour mieux entreprendre, permet justement de développer cet aspect-là, de débloquer peut-être des croyances limitantes qu'on peut avoir, avec la notion de mieux se connaître et mieux entreprendre, c'est aussi se remettre en question. On peut peut-être terminer la session sur cette notion-là. Comment est-ce que toi, tu pratiques la remise en question, et est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais aux entrepreneurs ou aux artistes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, la remise en question, bah, disons, je pense quand on est entrepreneur, enfin, on en a peut-être parlé un peu aussi au tout début, il y a cette notion de savoir pivoter, ne pas rester sur un échec, accepter le changement, accepter aussi
l'environnement, hein, on a parlé du Covid, etc. Je pense que de toute façon, qu'on soit, enfin, le point commun entre l'artiste et l'entrepreneur, c'est qu'il ne reste pas dans sa zone de confort. C'est-à-dire que il va aller chercher plus loin, il va presque aller, pas se faire du mal, mais je veux dire vraiment, oui, aller là où ça peut faire peur, là où ça peut mettre inconfortable, pour créer des choses encore plus belles, encore plus, voilà, neuves. C'est de toute façon, même si on a cette illusion qu'on va pouvoir voilà, rester dans une sorte de confort parce qu'on a trouvé un truc qui marchait, bah, ça reste une illusion parce que y a l'environnement extérieur, tout bouge en fait, tout est en changement. Et une fois qu'on l'a accepté, du coup, on arrive plus facilement bah, à s'adapter, à trouver des idées, etc. Moi, si ma boîte s'appelle lettering créatif, c'est que vraiment ce mot créatif me tenait à cœur, presque plus que lettering, c'est-à-dire que toujours se réinventer, chercher des nouvelles choses, et que ce soit pour soi, pour ses clients, dans sa vie en général, en réalité. Yes. Mais écoute, je te remercie pour ces partages. Est-ce que tu as envie de partager une dernière chose, un dernier point avec les personnes qui nous écoutent? Bah, du coup, bah, alors, bah, on a parlé aussi beaucoup là pour les artistes, je dirais aussi pour les gens bah, qui ne se sentent pas artistes, parce que c'est aussi un mot que j'entends souvent. Ah oui, mais toi, tu es artiste, ou, ah mais moi, je sais pas, j'ai envie de dire bah, essayez, osez un jour franchir la porte d'un cours artistique et vous serez étonné. Yes, je vous invite à aller découvrir le site letteringcreatif.com. Vous aurez déjà pas mal de choses à faire et des premiers pas par rapport notamment au lettering. Et c'est un point d'entrée, ça peut être un point d'entrée vers justement le loisir créatif. Merci beaucoup, Ilan, en tous les cas. J'étais ravi Merci à toi, David. de t'écouter et d'apprendre aussi des choses aujourd'hui. C'est pour ça que j'adore ces échanges parce que. J'apprends moi-même énormément et puis créer cette valeur pour les personnes qui nous écoutent, ça fait pleinement partie de la mission de l'académie businessbonheur.com. Prends soin de toi, Ilan. Je vais faire ma petite clôture habituelle Ça marche. et puis je lance le générique de fin. En tous les cas, toi qui nous regardes aujourd'hui, rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'Académie Business Bonheur avec son invité du jour, Ilan du blog letteringcreatif.com. À la semaine prochaine. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.